Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de gym d'entretien. On commence toujours par le rappel de la posture. Donc, je rentre le menton et je regarde toujours bien horizontalement pour bien redresser mes vertèbres cervicales. Deuxièmement, je descends mes omoplates et je les resserre entre elles pour avoir la bonne position de mon dos, de mes épaules. Troisièmement, je n'ai pas le ventre qui sort, je vais serrer le périnée, je vais creuser le ventre, vous voyez, pour décreuser le dos. Donc je serre le périnée, comme si je me rotais de faire pipi, et je rentre bien le ventre. On commence tout de suite en musique par l'échauffement. Voilà, on y va. On va pointer droite-gauche avec moi. Pensez bien à votre posture, grandissez-vous bien. Si vous pouvez, vous rajoutez le bras devant. Allez, encore. Là. Et j'avance comme ça, j'avance. 4, 3, 2, et je recule. 4, 3, toujours les épaules loin des oreilles. Hein. Allez, 4, 3, 2, 1, et je reviens. Une dernière fois comme ça. Allez, on s'échauffe bien. Parfait. Maintenant, je fais 4 talons fesses. Droite, gauche. 4. 3. 2. Battement côté. 4. 3. En avançant, j'avance 4 talons. Allez. Battement, je recule. Encore une fois comme ça. J'avance talons. 4. 3. Serrez le périnée. Rentrez le ventre. Battement. Pas bien. Diagonale, la même chose, talons, 4, 3, 2, battement, 4, 3, 2, très bien, diagonale ici, allez, talons, 4, 3, 2, battement, reviens, 4, 3, le début, je pointe et j'avance, je pointe devant, 4, 3, 2, et je reviens, allez, je combine la suite, en diagonale, talons, 4, 3, 2, battement, très bien, talons, toujours le périnée serré à peu près à la moitié là pour l'instant, et on rentre le ventre à peu près à la moitié, je respire avec la poitrine, le début, j'avance, je pointe, 4, 3, 2, et je recule, 4, 3, 2, diagonale, talons, allez, battement. On échauffe bien les bras, on échauffe bien les jambes. Encore. Et on échauffe le cœur tranquillement. Très bien. Le début encore. Allez, on pointe le bras devant. Oui. Je reviens. Diagonale. Les bras en mouvement. Battement, les bras montent, mais je maintiens les épaules vers le bas. Diagonale, allez! Très bien. Je maintiens toujours la bonne posture. Une dernière fois comme ça, le début. Allez, dernière fois. Je reviens. Chaque diagonale, talon. Battement. Toujours le centre du corps contracté hein, à 50%. Voilà, on termine. 4, 3, 2, parfait. On relâche. On fait des petits coups de pied, des contractions. Je vous montre de dos. Les mains jointes et doigts croisés pour bien redresser le dos. La jambe gauche un petit peu fléchie, la jambe droite bien tendue. Je sors la tête de ma carapace comme la tortue. J'allonge bien la nuque. Toujours les omoplates dans les poches arrière du gym. La jambe gauche légèrement fléchie, la jambe droite bien tendue. Je pousse le talon droit loin, loin. Je relève les orteils. Je maintiens le périnée serré, le ventre rentré, 4, 3, 2, et on relâche. Très bien, on inverse les deux jambes. Voilà, toujours la nuque bien droite, toujours les épaules bien placées, serrez le périnée, à moitié creusé, donc poussez le talon gauche très loin. Relevez bien la pointe des pieds. 4, 3,
2, 1, et on revient. On étire le quadriceps, le psoas, alors je vous rappelle, je vous le profil. Hop, je rapproche les cuisses, vous gardez un point fixe au sol pour les kinés, si vous voulez. Serrez le périnée, rentrez le ventre, rapprochez les cuisses, amenez le genou vers l'arrière pour faire l'extension de la hanche pour bien étirer le psoas en même temps que le quadriceps. L'avant de la cuisse, l'avant de la hanche. Si vous y arrivez, vous redressez le regard, vous redressez à nuit, vous regardez loin, loin devant. Si vous pouvez. Allez, serrez le périnée à fond. Rentrez bien en haut. 4, 3, 2, 1, je relâche. J'inverse mes deux jambes. Allez, l'autre côté. 1. Je rapproche l'aiguille, je serre mon périnée. Je rentre mon ventre, j'arrête le genou à l'arrière. Si vous pouvez vous redresser bien. Si vous avez besoin, vous regardez. Un point fixe au sol. Allez, encore. Se redresse bien. 4, 3, 2, 1. On relâche les bras. On les échauffe un petit peu comme ça. Mouvement de balancier. Regardez, tout en décontraction ici. En alternance. Droite, gauche. Voilà, on échauffe un peu plus les bras. Allez, un bras devant. L'autre derrière. Continuez un petit peu comme ça. Quelques secondes. Et on va enchaîner par la première séquence cardio. Voilà, allons-y donc pour le cardio. Toujours la bonne posture, la nuque bien allongée, toujours les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Je serre le périnée, je rentre un peu plus sur le cardio. Écoutez, voilà. Hein, le fait de serrer le périnée, de rentrer dans, c'est important pour gainer le bas du dos. Toujours, je vous rappelle, côté droit, gauche, droite. Je me décale un petit peu, voilà, parfois on va faire des déplacements. Deux pas maintenant, deux pas. Et je reviens. Voilà, deux pas. Parfait. Encore deux. Ouais, encore une fois comme ça. Très bien. Deux pas au bout, trois coups de pied au bout. Parfait, encore deux pas. Trois coups de pied. Serrez le périnée, rentrez bien dans ton corps. Je me prends bien, toujours. Super. Les deux bras devant, si vous pouvez maintenant, vous combinez bras et jambes. Allez, serrez bien le périnée, rentrez bien dans. Voilà, je serre fort les poings. Je place bien mes omoplates dans les poches arrière du pantalon. Et je sens dès lors le travail des muscles du dos. Allez, encore. Oui. Très bien. Une dernière fois ça. L'aller-retour. Allez. Restez sur place. Coupez, coupez. Et on va faire deux genoux droits. Attends, deux genoux droits. Deux genoux gauche. Très bien, deux genoux droits. Si je peux, je croise. Deux genoux droits. Deux genoux gauche. Voilà, si vous pouvez vous croiser. Parfait. Si vous pouvez les bras. Allez, comme vous pouvez. Hein. Si vous ne faites pas exactement la même chose, c'est pas grave du tout. Ici, le tout, c'est d'être en mouvement, de travailler le cœur et de brûler des calories. Encore deux genoux de chaque. Allez, allez. Voilà. Deux genoux. Encore deux de chaque. Deux. Deux à droite pour finir. Et je reviens genoux. Hop. Genoux. Que des genoux. Super. Encore. Alors maintenant, je fais coup vers genoux. Coup vers genoux d'un côté de l'eau. D'un côté de l'eau. Serrez bien le périnée. Rentrez bien avant. Voilà. Encore 4, 3, et on va avancer. Coude vers genoux. 4, 3, 2, et on revient. 4, 3, serre le périnée, rentre devant. Encore 4, 3, 2, et on revient. On change maintenant coup de pied. Droite, gauche. Et je recule. Très bien. Je vais avancer coup de pied, coup de poing maintenant. Allez. Voilà, serrez le périnée, rentrez bien le ventre. Encore une fois ça, coup de pied, coup de poing opposé. Toujours les épaules loin des oreilles. Toujours la nuque bien allongée. J'avance, genou, coude vers genou, maintenant. Coup de pied, coup de poing. Restez, coup de pied, coup de poing. Et j'avance, genou. 4, 3, 2. Coup de pied, coup de poing. 4, 3, 2. Genou, 4, 3, 2, coup de pied, coup de poing, 4, 3, 2, genou, une dernière fois, 4, 3, 2,
moi de rester coup de pied. Je me dégale un petit peu, on va reprendre les déplacements sur la droite. Deux pas maintenant, deux pas, moi de pied. Encore deux pas, moi deux. Les bras, si vous pouvez. Allez, les deux bras devant, très bien. Respirez bien avec la poitrine. Voilà, pas avec le vent parce que je maintiens toujours le ventre rentré. À la moitié, quelques fois de plus, hein, penchez les coups de pied, je serre davantage le pied, je rentre davantage. Ah, vous essoufflez chaud. Ah, la bouche en bas. Pour mieux engager toute la ceinture à tout. Allez, encore. Une dernière fois ça. J'avance, coude vers genou, c'est parti. 4, 1, 2, coude et coude de poing. 4, 1, 2, coude vers genou encore. 4, 1, 2, coude et coude de poing. 4, 1, encore une fois, coude vers genou. 4, 1, 2, coude et coude de poing. 4, 1, restez, restez, coude et coude de poing. Encore, la nuque bien allongée, les épaules, toujours loin des oreilles. Continuez, moi je vais arrêter, je vais changer la vie. Vous continuez, encore, 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 encore. Continuez toujours, vous maintenez. Voilà, on y va encore, mais écoutez, écoutez. Parfait, et on va reprendre les deux pas à droite, c'est parti, deux pas. Trois à tout pied, les bras devant, si vous pouvez, serrez bien le pied. On a accéléré un petit peu encore, allez, deux pas. Trois à tout pied, encore. Toujours. Allez, encore, encore. Respirez toujours bien. Soufflez chaud quand vous soufflez. Ah, faites de la buée avec la bouche. Allez, encore, encore. Une dernière fois ça. Je reviens. Voilà. Deux genoux droits maintenant. Droite. Gauche. Encore. Deux. Et je croise les jambes. Deux. Allez, on travaille le cœur et on brûle les calories. Les bras, si vous pouvez maintenant les bras. Toujours, je me grandis bien. Allez, allez. Encore quatre fois ça. Quatre. Encore une fois le chaque. Le dernier. J'avance, coude vers genoux. Serrez, rentrez. Coup de pied, coup de poing. Quatre. Trois. Deux. Coup de vers genoux encore. Allez, allez, coup de pied, coup de poing. Voilà. Coude vers genoux, serrez bien et rentrez bien l'entrage à gauche des genoux et surtout sur le coup de pied. Soufflez chaud. Ah, encore. 4. 1. Une dernière fois, je reviens coûter. 4. Je reprends les deux, pas à droite. 3 coups de genoux. Les deux bras devant. Allez. Encore, on essaie de tenir. On travaille le cœur, on brûle toujours. Les calories, allez. Je me grandis bien. Serrez fort les poings. Sentez le travail du dos. Les omoplates vers le bassin, vers le bas du corps. Et vous resserrez vos omoplates entre elles en même temps. Encore. Deux genoux à droite maintenant. De la droite. De la gauche. Toujours de droite. De gauche. Et je croise. Oui. Encore. Deux. Deux. Les bras. Allez, 4 fois ça encore. J'avance 4 genoux maintenant. 4, 1, 2, coup de pied, coup de poing. Allez, allez. Serrez bien les genoux, rentrez bien l'or. 4, 1, 2, coup de pied, coup de poing. Encore une fois, ça. Allez, coup de pied, coup de poing. 4, 1, le début, deux pas, deux pas, trois, toutes les deux, encore deux pas, célébrez les creusés bien avant, allez, c'est bientôt fini, encore un peu de ça, voilà, on revient encore, deux genoux à droite maintenant, deux à droite, deux à gauche, et je croise. Et je rajoute les bras. Et toujours, je me grandis le ventre. Pourquoi je regarde loin. Allez. Toujours le centre du corps bien tonique. Toujours les épaules dans les oreilles.
Voilà, j'ai la bonne attitude. J'avance d'avant, coude vers genou. 4, 1, 2, coude d'écoulement. 4, 1, 2, coude vers genou. Allez, serrez bien les genoux, rentrez les dents. Coude vers genou encore. Coude d'écoulement. Et on va faire une dernière fois le tout. Dernière fois le tout. Deux pas, deux pas. Moi, coude les deux. Je reviens. Encore. Allez, allez, allez. Toujours. Encore une fois, ça. Oui. Très bien. Ici, tu es juste où. Deux genoux droits maintenant. De la droite. De la gauche. On croise deux genoux. Et les bras qui sont en mouvement ici, comme ça, si vous pouvez. Toujours les épaules vers le bas. Serrez bien le pied. Rentrez bien. Encore. Quatre fois ça. Encore une fois, chaque. J'avance, coude vers genou, allez. Coude pied, coude poing. 4, 1, 2. Coude vers genou. 4, 1, 2. Coude pied, coude poing encore. Serrez bien le pied, rentrez bien. Allez, quelques secondes encore. Jusqu'au bout, laissez tenir jusqu'au bout. Encore deux allers-retours comme ça, on termine. Coude pied, coude poing. Dernier aller-retour. Allez. Coude pied, coude poing. 4, 1, 2. Et vous relâchez. Si vous pouvez voir un petit peu si vous voulez. Très bien, on enchaîne maintenant par le travail. Alors moi je prends un tapis hein, qui est enroulé. Vous avez peut-être un tapis chez vous, une serviette, ce que vous avez sous la main. On va travailler sur les coudes. La nuque est allongée. Les épaules loin des oreilles. Je serre bien le périnée. Je rentre bien le ventre et je tends la jambe droite. D'accord. Et je monte la jambe. Montez. Descendez. Allez, encore, montez, montez, descendez. Encore, encore, montez, montez, descendez, descendez. Serrez bien les fesses, rentrez bien le ventre. Allez, comme ça, tranquillement, à votre rythme. Alors, vous pouvez souffler en montant la jambe. Et vous inspirez en descendant. Soufflez, maintenez le périnée serré. Maintenez le ventre en tête. Vous n'êtes pas obligé de suivre le rythme de la musique. Seulement si vous êtes à l'aise pour votre respiration, vous soufflez en montant. Vous inspirez en descendant. Je rappelle, hein, je sors la tête de ma carapace comme la tortue pour allonger la nuque. J'ai les omoplates dans les poches arrière du jean. Et surtout, je serre bien le périnée et je rentre bien l'ordre. On va monter une dernière fois, comme ça. On reste en haut. Et maintenant, on plie la jambe et on tend. Voilà, on maintient le périnée serré. On maintient le ventre rentré. Vous respirez avec la poitrine à votre rythme à vous de respiration. Et vous faites l'exercice indépendamment de la respiration. Allez, la nuque bien allongée, les épaules loin des oreilles. Serrez bien le périnée, rentrez bien le ventre. Encore, pliez, tendez, toujours, pliez, tendez, restez en le roi et maintenant montez, descendez, montez, descendez. Continuez comme ça, je vais vérifie trop. Encore quelques secondes, continuez encore, encore. Très bien. Encore 4. 3, 2, 1, et vous relâchez, récupérez un petit peu, on va inverser les deux jambes à présent. Allez, on y va donc pour la deuxième jambe, c'est parti. Toujours la nuque bien allongée, donc cette fois c'est la jambe gauche qui est tendue. Montez, montez, descendez, descendez. Allez, j'allonge bien la nuque, les épaules loin des oreilles. Soufflez en montant. Inspirez. Encore, soufflez. Inspirez.
Le pied flex au niveau de la jambe bien haut. Poussez tellement loin, les orteils vers vous. Alors évidemment, je ne monte pas la hanche ici. Hein. La hanche reste vers le bas. J'ai la jambe en mouvement, seulement la jambe. Les deux hanches restent au même niveau. Allez, allez, serrez bien le pied. Montrez bien. Une dernière fois. Je reste en haut et je plie en angle droit. La cuisse est fixe. Donc seule la partie inférieure de la jambe en mouvement. Allez, je sors bien le pied, justement. Pliez, tendez, pliez. Voilà, toujours le périnée bien serré, toujours je creuse le ventre, j'allonge bien la nuque, toujours les épaules loin de mes oreilles. 4 fois ça encore. 4, 3, encore quelques secondes. Et maintenant je reste figé en loin et je monte et descends. Montez, descendez. Toujours je serre bien le périnée, je reviens devant. Toujours les deux hanches bien, bien au même niveau. Très bien, encore. On essaie de tenir jusqu'au bout de la musique comme ça. Quelques secondes encore. Jusqu'au bout. Respirez bien. Hein. Surtout, vous n'êtes pas en apnée. Vous respirez à votre rythme avec la poitrine. Le ventre lui entre le périnée est serré. Allez, encore, on essaie de tenir quelques secondes comme ça. C'est la fin. Jusqu'au bout si vous voulez. Allez, allez, à la fin de la musique. Les dernières secondes. Très bien, vous pouvez récupérer, vous pouvez vous étirer un petit peu ici. Le front au sol, vous allongez la nuque, vous allongez bien le dos, vous allongez les bras. Restez quelques secondes en étirement et on passe au travail de bras et de dos. Voilà, pour ce travail du dos et des bras, moi j'ai deux haltères là, comme ça, mais vous, ça peut être deux bouteilles d'eau, deux boîtes de conserve, deux canettes, hein, ce que vous avez sous la main. Voilà, et le poids qui vous convient. Alors, je vous montre, la nuque est bien droite, les épaules vont bien loin des doigts. Je serre le périnée, je rentre à l'ordre et tirez, tirez. Revenez, revenez. Attention à la posture. Serrez bien le périnée. Rentrez bien le ventre. Vous serrez bien les poids que vous avez dans les mains. Et surtout, vous descendez bien les omoplates vers le bassin. Et vous les resserrez bien entre elles. Tirez, tirez. Revenez, revenez. Voilà, vous respirez à votre rythme avec la poitrine. Vous maintenez le périnée. Serrez le ventre. Rentrez. Allez, tirez, tirez, revenez, revenez. Encore, tirez, tirez en deux temps, revenez, revenez. Toujours en deux temps, tirez, tirez. En un seul temps, d'abord je tirerai un. Et lentement, je redescends. Je tire en un seul temps, un. Lentement, je redescends, encore, un. Et je redescends lentement. Continuez comme ça, très bien. Un, toujours la nuque allongée, toujours les épaules loin des oreilles. Encore un, descendez bien les omoplates vers le bassin. Resserrez bien en tête. Très important pour le travail du dos. Et très important aussi pour vos épaules. Allez, un, voilà, ça fait du bien aux épaules, ça fait du bien au dos. Si vous avez les épaules sensibles une fois, ne forcez pas, ne déclenchez pas de douleur. Allez, encore un. Doucement, je reviens. Encore. Un. Doucement. En deux, deux, à nouveau, deux, deux. Tirez. Tirez. Revenez, revenez. Encore. Tirez. Tirez. Revenez, revenez. Le poids du corps sur les talons. Travaillez les fessiers en même temps. Travaillez le bas du dos, mais serrez bien les fessiers. Rentrez bien le ventre. Encore. Tirez. Tirez. Revenez, on est une dernière fois. On tire, on va rester ici. Très bien. Et maintenant, je fais des petits mouvements. Petits mouvements. Serrez fort les poings, si vous voulez. Allez, encore, 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 encore. Descendez bien les omoplates de le bassin. Resserrez bien les omoplates entre elles.
centre du corps est fort. Je serre bien le périnée. Je rentre bien le ventre. Allez, c'est bientôt fini. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Vous déposez les doigts et vous décontractez les bras. On alterne main gauche. Relâchez bien. Un bras devant, l'autre derrière. Voilà. On va ensuite enchaîner par le gainage. Allons-y. Voilà, alors pour le gainage, moi j'ai remis mon tapis. Hein. Si vous avez un tapis chez vous, évidemment, vous faites de même. On est, alors je rentre le t-shirt hein, pour que vous puissiez me voir. Hein. Le ventre qui rentre, on travaille bien toute la ceinture à nos mouvements. Donc, je suis en appui sur les coudes. Je sors la tête de la carapace, comme la tortue. J'allonge bien la nuque, les épaules loin des oreilles. Je serre le périnée, je rentre le ventre au maximum. On serre le périnée, on creuse, on creuse. Si vous pouvez passer sur les pieds, vous passez sur les pieds. Selon vos possibilités. Hein. Voilà, sur les genoux, sur les pieds. Je serre bien le périnée, je rentre le ventre à fond. Seulement si je peux maintenant, éventuellement, je décolle une jambe, puis l'autre jambe. Je serre le périnée très très fort. Je creuse le ventre. Très très fort. Allez, pensez à souffler chaud la bouche en un pour mieux engager toute la ceinture à dos profond. Encore quelques secondes pour s'étirer là si vous voulez. Allez, 4, 3, 2, 1. Je relâche un petit peu. Hop, vous pouvez vous mettre sur les genoux et vous vous étirez à nouveau ici. Le front au sol, on allonge la nuque. On allonge bien toute la colonne des fesses vers les lèvres. Tirez bien dans chacun de vos 10 doigts. Respirez. Parfait. On va enchaîner par une deuxième et dernière série du même type. Je commence sur les genoux. Seulement si je peux. Hop, hop, je passe sur les orteils. Je suis sur les pieds. D'accord. Serrez bien le périnée. Rentrez bien le ventre à fond. Seulement si je peux, niveau 3. Je monte une jambe puis l'autre alternativement. Vous restez au niveau qui vous convient. Niveau 1 sur les genoux. Niveau 2, immobile sur les pieds. Niveau 3, les jambes. Allez, la nuque bien allongée. Les épaules loin, les oreilles, je serre bien le ventre. Je creuse le ventre. Faites l'effort de creuser le ventre. Au maximum. C'est bientôt fini. Allez, dernier effort. Et après, on s'étire, c'est promis. Plus que 4. 3, 2, 1, et on relâche. Mettez-vous sur les genoux, à nouveau les bras, loin devant, le temps que je change la musique. Très bien. Alors, maintenant, pour s'étirer, on va faire chien tête en bas. Donc au départ, je suis en planche, en appui, sur les pieds, sur les mains. À présent, je vais monter le bassin. Le bassin bien en haut, les talons. Vers le sol, en direction du sol, sans forcément toucher le sol, évidemment. Avec les talons, montez les fesses, vraiment très très haut, le plus haut possible, de façon à avoir le dos bien plat. C'est vraiment essentiel ici, hein, de bien bien allonger votre colonne. La nuque également est bien allongée. Voilà, vous respirez tranquillement. Encore quelques secondes comme ça. 4, 1, 2, et doucement, je repose les genoux au sol. Je m'installe maintenant sur le dos. Là, j'ai la jambe droite fléchie vers moi, les mains jointes, les doigts croisés derrière les doigts. J'ai la tête au sol. J'inspire au maximum. Je gonfle la poitrine avant. Allez, progressivement, je souffle, je maintiens la tête au sol, les mâchoires lissées, le menton rentré, je pousse le talon droit très très haut vers le plafond, les épaules bien loin des oreilles, je serre le périnée, je rentre le ventre, là aussi je travaille le périnée, toute la ceinture à dos, je serre bien le périnée, je rends bien le menton, me grandir au niveau du dos pour
décreuser ma colonne. Je redresse le pied gauche, je pousse le talon gauche très très loin de moi. Je me grandis aussi avec les deux jambes. 4. Moi. 2. Et doucement, je relâche. Et j'inverse les deux jambes. Le genou gauche maintenant. Fléchis vers la cuisse. Main joint, droite croisée derrière la cuisse gauche. J'inspire bien complètement. Allez, progressivement, je souffle les mâchoires desserrées. Je rentre bien lentement. Les omoplates bien dans les poches arrière du jean. Je pousse les deux talons très loin de moi. Je serre le ventre. Je creuse mon ventre au maximum. Je souffle chaud à la fin. 4. 3. 2. Et tout doucement, je relâche. Vous pouvez amener les deux genoux vers vous. Vous pouvez tendre le bras gauche ici derrière. Vous pouvez vous tourner doucement sur le côté gauche pour vous redresser. Eh bien, je vous félicite. Vous avez très bien travaillé. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.